2021 Sylvain avec vous comme tous les matins pour cette nouvelle émission je suis content de vous avoir ici aujourd'hui on va parler du projet cardano de la crypto monnaie cardano qu'est ce que c'est comment ça marche qui est le fondateur de cardano et puis dans quel euh, dans quel cas dans quelle euh, situation en fait acheter du cardano on va voir en fait que cardano c'est une crypto monnaie qui n'est pas pour tout le monde euh, il faut en avoir en portefeuille si vous avez un certain scénario en tête et ce scénario là je vais vous aider à mieux le cerner en vous présentant bah, tout simplement le projet Cardano, comment est-ce qu'il fonctionne euh, et puis bah, son réel intérêt son, son réel je dirais élément de différenciation avec des crypto-monnaies beaucoup plus traditionnelles telles que le Bitcoin ou encore Ethereum pourquoi est-ce que Cardano aujourd'hui est entré dans le top 10 des crypto-monnaies les plus influentes et, et euh, à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, donc le vendredi 14 mai euh, la quatrième crypto-monnaie derrière le Binance Coin, la plus capitalisée en termes euh, bah, de capitalisation de marché, hein. Allez, on est aujourd'hui en tout cas à, à peu près 60 milliards de dollars. On regarde ça tout de suite, juste après l'introduction, je la lance tout de suite et je vous dis euh, bonjour encore une fois, vous êtes bien dans l'émission du Tigre. Comme vous le savez, les amis, euh, ouais, c'est bon, ça, ça fonctionne bien. Euh, comme vous le savez, les amis, on, on est sur un nouveau format. On va parler aujourd'hui de Cardano. Alors, un petit peu comme la vidéo qu'on a faite sur ICP, Internet Computer. Je vous mettrai le lien dans la description en haut à droite, dans le petit i qui apparaîtra. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Cardano. Donc, je vous ai mis un graphique du Cardano. On passe tout de suite dans le feu de l'action. Aujourd'hui, Cardano cut d'ailleurs. 1,85 USDT, donc vous savez 1 USDT est égal à 1 dollar, c'est un stable coin. Euh, alors comment est-ce que, enfin d'où est-ce qu'elle vient cette crypto-monnaie Cardano et puis pourquoi est-ce qu'elle est si connue que ça euh, Alors ce qu'il faut savoir c'est que Cardano est une fondation et euh, Cardano a été fondée par ce type là, donc euh, Charles Hoskinson qui est le fondateur de Cardano et de la... Et je dirais de cette fondation. Alors, c'est un des cofondateurs de cette fondation-là, mais c'est lui, hein, le, la tête d'affiche derrière le projet Cardano. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Charles Hoskinson, avant d'être le fondateur de Cardano, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'équipe Ethereum. Ça a été un des huit cofondateurs d'Ethereum aux côtés de Vitalik Buterin. OK Alors, vous me direz, mais. S'il si, a travaillé chez Ethereum, pourquoi est-ce qu'il a monté Cardano Parce que Ethereum est un réel succès au final. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un, euh, bah, un split, en fait. Euh, à l'époque où il bossait chez Ethereum, en tout cas, donc c'est en 2014. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Charles Hoskinson, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est une personne qui a, euh, qui a bossé du coup sur le projet BitShares, donc qui était un, un projet d'échange décentralisé en 2013. Euh, et, en de, et, et il a rejoint en fait le projet Ethereum en 2014. D'accord Donc en 2013, il était sur BitShares. Et euh, c'est justement euh, suite à cette expérience-là qu'il a rejoint le projet Ethereum. Donc en fait, Ethereum, vous le savez, euh, a aujourd'hui est connu notamment au travers de son, je dirais, de son, euh, comment dire, de, de, de Vitalik comme, entre guillemets, le projet de Vitalik Butrine. ok Donc vous le savez, c'est le, le, enfin, le petit jeune, si on peut dire ça comme ça, euh, derrière ce projet-là. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où euh, Charles Hoskinson, donc on va l'appeler CH, euh, était dans le projet Cardano, ils avaient vraiment un problème de vision, d'accord euh, Un problème de, de vision dans le sens où Vitalik voulait que Ethereum reste euh, une, euh, une fondation en fait, euh, ce qu'on appelle un non-profit, donc une, euh, une organisation non lucrative, d'accord Donc euh, on l'a appelé euh, une non-profit, donc NP. Et Charles Hoskinson voulait faire du projet Ethereum un projet commercial, d'accord Lui il voulait avoir un projet commercial, un truc qui se vende, enfin bref, un truc un peu plus business, quoi, d'accord Et Vitalik, lui, il était un peu, plus, euh, un peu plus porté sur le côté un peu caricatif, euh, etc. Okay donc, ils ont eu. Un espèce de clash si vous voulez ici de philosophie sur ce que devait être Ethereum et puis du coup bah en fait ça c'était en 2014 euh, et, et, et du coup bah, en fait il s'est il, il parti ok donc il est parti euh, il a pris six mois de pause sabbatique ok il a pris six mois de vacances après être parti d'Ethereum et euh, il a rejoint un petit peu plus tard donc c'était vraiment par hasard hein, en fait hein, mais c'est grâce à un ami à lui. Donc, je vous fais un petit peu la chronologie de, de, de l'histoire de, de notre ami Charles. Hein. Mais c'est grâce à un de ses anciens collègues de chez Ethereum qui s'appelle Jeremy Wood. Ok Jeremy Wood. Euh, qui a bossé lui aussi en fait hein, sur le projet Ethereum. Hop. Donc, c'est des alumni, hein, c'est des anciens. C'est comme s'ils avaient été à la même fac. Euh, ce ce collègue-là, en fait, il l'approche et il lui dit. Parce que Charles Hoskinson, mine de rien, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est un mathématicien, c'est un chercheur. Euh, il lui dit Écoute. Euh, on est en train de bosser sur un projet en fait euh, qui s'appelle IOHK donc en fait Input Output Hong Kong donc voilà hein, nouveau projet blockchain et euh, c'est une équipe d'ingénieurs et nous on aurait besoin en fait de tes compétences pour construire une nouvelle blockchain OK et le projet central de IOHK c'est notre ami Cardano OK donc ça IOHK le projet central c'est Hop, c'est Cardano. Ok Alors hop. Alors c'est un petit peu bugué, donc c'est pas grave. Euh, c'est Cardano. Donc du coup, suite à, entre guillemets, le, la rencontre de son ami en 2014, il se dit qu'il va travailler sur le projet Cardano, et puis le projet Cardano commence petit à petit à faire surface. Le principal intérêt de Cardano et je vais vous le montrer tout de suite, c'est euh, bah déjà d'une que c'est une fondation, mais c'est euh, en fait que c'est un concurrent direct d'Ethereum. Donc en fait, vous allez euh, avoir la possibilité vraiment et c'est pour ça que je vous disais que Cardano n'est pas une crypto-monnaie pour tout le monde. Euh, Cardano va venir se poser en concurrent direct d'Ethereum. En fait, si vous voulez. Les anciens d'Ethereum de euh, qui ont, plus ou moins ne se sont, sont pas bien entendus avec, euh, avec Ethereum, on a un petit peu l'impression qu'ils sont partis d'Ethereum pour fonder Cardano. C'est un petit peu ça et ça fonctionne de façon un petit peu différente. Cardano, c'est une fondation et comme on va le voir ici, une fondation qui est quand même plutôt sérieuse. Une fondation qui a une structure et, et, et ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que Cardano est la seule fondation qui est euh, vraiment dirigée par une équipe de, recherche, enfin de, de chercheurs professionnels. C'est-à-dire que la plupart des fondations, souvent, c'est. Des anciens de ceci, des anciens ingénieurs, ceci, cela, mais Cardano, c'est vraiment structuré en fait comme un vrai projet scientifique. C'est-à-dire que les gens qui dirigent Cardano sont des scientifiques, ok de profession, de parcours, et, euh, et, et même le mécanisme selon lequel les nouvelles implémentations de la blockchain Cardano, en gros, toutes les nouvelles améliorations qu'il y aura sur la blockchain Cardano, doivent être un peu comme dans, un, dans une équipe, dans un, un ordre scientifique, doivent être approuvés par les pairs de la communauté Cardano. Donc en fait, si vous voulez, il y a un espèce de conseil de mathématiciens, de, mathématicien, de scientifiques, qui doit approuver les, les changements euh, apportés à la blockchain Cardano pour que ces dernières soient effectives sur la blockchain. D'accord Un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres blockchains, où en gros, c'est juste la majorité qui décide, et si la décision est prise à la majorité, c'est adopté on a une fork et puis on, on adopte la nouvelle, la nouvelle résolution, d'accord Là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y a, y a vraiment un système un peu de pire, de ce qu'ils appellent de pire review, ok Alors, la fondation Cardano, donc vous l'avez vu ici, c'est une fondation qui est, euh, qui, est, qui est tout simplement dirigée par des, euh, par des, euh, par des scientifiques. Euh, alors, je dirais euh, le, le point central de... Euh, de, de, de Cardano, c'est Ouroboros. Alors, Ouroboros, c'est quoi C'est le, euh, le, le fonctionnement, entre guillemets, du Proof of Stake. Enfin, c'est un protocole qui permet justement bah, de sécuriser la blockchain Cardano. Alors, la question maintenant, c'est comment fonctionne Ouroboros et quel est en fait le point de différenciation majeur entre Cardano, Ethereum, Bitcoin, etc. Alors, on passe sur le schéma tout de suite de l'iPad. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cardano s'est rendu compte d'une chose c'est qu'avec le Bitcoin. On a eu un, un phénomène qui est très simple. Bitcoin, c'est la crypto-monnaie 1.0. Euh, Bitcoin, c'est tout simplement, bah, vous le voyez ici, euh, hop, on, va, on va supprimer tout ça. Euh, Bitcoin, c'est tout simplement la première crypto-monnaie et elle fonctionnait via euh, un système de sécurisation qu'on appelle le proof of work, la preuve de travail. En gros, le proof of work, c'est quoi C'est euh, vous avez des ordinateurs, on va faire un schéma très simple. Euh, et on va rester très 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 simple aujourd'hui c'est des ordinateurs ici qu'on va mettre en, car, en carré rouge qui vont se battre et le premier qui trouve ce qu'on appelle le nonce donc c'est un nombre mathématique aléatoire okay, donc qui, qui permet entre guillemets de, 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 de débloquer tout le reste a le droit okay, enfin euh, a, a le droit entre guillemets de sécuriser un bloc ici un bloc de transaction et de l'ajouter à la blockchain et pour ça ce type-là va être récompensé. Il va recevoir en fait des cryptomonnaies, d'accord Donc ça, c'est la méthode en fait 1.0 de comment fonctionne euh, de, fon de comment fonctionne la blockchain. Donc ça, c'est le proof of work. Je dépense de l'énergie. Je dois acheter tout un tas d'ordinateurs euh, et de matériel informatique pour sécuriser la blockchain. Le gros entre guillemets inconvénient de euh, de, du proof of work, c'est quoi bah, c'est que le proof of work, c'est pas, c'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, avec le proof of work, euh, il faut, bah, en fait, avoir de plus en plus d'ordinateurs. Et ça, ça coûte de l'argent, d'accord Donc, plus vous avez d'ordinateurs, plus il faut dépenser de l'argent dans du matériel, plus il faut consommer aussi d'énergie, d'accord Donc, on va mettre une petite ampoule ici, d'accord parce que ces ordinateurs consomment de l'énergie. Tout ça pour sécuriser la blockchain, tout ça pour calculer un nombre aléatoire. Et on s'est dit, bah écoutez, c'est bien gentil euh, tous ces trucs de proof of work euh, et euh, de sécurisation de minage, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus efficient en termes d'utilisation d'énergie pour sécuriser la blockchain Et c'est là où Cardano se pose en alternative. Cardano dit, Bitcoin et Ethereum. C'est une façon, entre guillemets, de faire de la crypto-monnaie. On sécurise la blockchain en achetant de plus en plus d'ordinateurs qui consomment de plus en plus d'énergie pour trouver un nombre aléatoire. Mais au final, est-ce que, euh, est que d'un point de vue strictement. Euh, écologique et même euh, humain, en fait. Hein. Est-ce que c'est logique d'aller acheter des ordinateurs pour euh, trouver un nombre et euh, dépenser euh, des millions de dollars dans des infrastructures juste pour trouver un nombre Ils se sont dit non. Euh, et en même temps, c'est logique. Quand on a lancé Bitcoin, c'était la première cryptomonnaie, c'est relativement jeune. Et eux, ils se sont dit, on va créer une alternative qui est le proof of stake, mais aussi le delegated proof of stake. Donc en gros, comment, comment est-ce que ça fonctionne sur Uro, Boros. En gros, donc vous avez Uro, Boros, voilà, on va mettre là ici. En fait, si vous voulez, le. Le temps est divisé en, en époques, et une époque est divisée en ce qu'ils appellent slots. Donc on va dire que c'est des compartiments, d'accord Donc je vais faire simple. On va dire que ça c'est 9h, d'accord Et ça c'est euh, 9h10. Je vous donne un exemple fictif, hein. les slots ce ne sont pas d'une minute, mais c'est juste pour vous donner un exemple, il y a combien On va dire que ça c'est 9h01, ça c'est 9h02, 9h... 0,3, etc., 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 jusqu'à 9h10. Ok Donc, sur Cardano, on a ce qu'on appelle le proof of stake qui est, euh, qui est mis en place. Alors, le proof of stake, c'est quoi Contrairement au bitcoin, le proof of stake, ça consiste à bah, stacker des jetons. En gros, plus vous avez de jetons, plus vous avez de chances d'être sélectionné pour sécuriser la blockchain, parce que ces jetons vont vous être demandés en dépôt de garantie pour effectuer certaines opérations. Typiquement, contrairement au Bitcoin ou au blockchain proof-of-work où faut acheter plein d'ordi plein pour calculer des trucs, sur le proof-of-stake, on doit acheter non pas plein d'ordi, mais plein de crypto. Donc, en l'occurrence ici, c'est du Cardano qu'on appelle ADA. Il okay faut acheter plein de petits jetons ADA. Et en gros, si vous voulez venir ici sur un slot, donc sur un compartiment sécurisé la blockchain, qu'est-ce qui va se passer Ils vont se dire, ok... Nous, on fonctionne sur le Proof of Stake ou le Delegated Proof of Stake. Donc, le Delegated Proof of Stake, ça s'écrit comme ça, DPOS, et je vais vous expliquer ce que sont ces deux choses. Le Proof of Stake, c'est, comme on l'a vu, avoir des jetons, les mettre de côté pour avoir le droit d'être sélectionné pour sécuriser la blockchain et recevoir des jetons en retour. Le Delegated Proof of Stake, c'est quoi Alors, c'est un petit. Bah, c'est typiquement la même chose. Quand vous allez avoir. Quand vous allez avoir en fait un, un espèce de slot comme ça sur lequel vous allez pouvoir sécuriser la blockchain, donc on va dire qu'ici il y, y a une nouvelle époque et ici il y a des slots. Et moi je participais à ça parce que chaque fois que je sécurise un slot, donc un compartiment ici, d'une époque, euh, pour avoir effectué cette transaction-là, on me donne des jetons ADA. D'accord Donc du Cardano. C'est normal. C'est le principe de la blockchain. S'il n'y avait pas de récompense. Personne n'irait s'embêter à faire ça. Okay Mais alors la question c'est du coup, comment est-ce que je fais pour être sélectionné ici? D'accord pour, 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 pour venir sécuriser cette blockchain et recevoir mes, mes récompenses. Et ben, c'est simple. En gros, celui qui a le plus de jetons ADA sera celui qui aura le droit d'aller sécuriser un slot. Et en fait, quand. Il va, aller il va aller forger, ils appellent ça le, le mint en anglais, donc forger, euh, forger euh, bah, pour le coup ici un slot. Euh, ils vont devoir mettre une partie des jetons qu'ils ont dans un coffre-fort. Alors on va, on va l'imaginer comme un coffre-fort, mais ils vont le mettre de côté ici hein, sur la blockchain Cardano. Donc ça, c'est un espèce de coffre-fort. ok. Euh, ils vont mettre les jetons ici. Voilà. Comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils viennent truquer la blockchain. Ils perdent tous leurs jetons. D'accord Et on sélectionne en général celui qui a le plus de jetons Cardano ici. Ok Alors, quel est l'intérêt de ça Ok Quel est l'intérêt en fait de sélectionner celui qui a le plus de jetons Cardano Parce qu'au final, on va se dire, bah, c'est une blockchain pour les riches euh, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, contrairement au Proof of Work, ne pourront pas sé sécuriser la blockchain. Il y a plusieurs intérêts. Le premier est écologique. Okay. On n'est plus dans une course à l'armement euh, informatique, on est une course à l'achat de jetons. Pour acheter des jetons, ça ne coûte pas plus cher en énergie ou en matériel que, euh, que, que juste dépenser son argent dans, dans des crypto-monnaies basiques. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que aujourd'hui... Le deuxième intérêt de ça, c'est que si aujourd'hui vous êtes quelqu'un de... imaginons que vous êtes un pirate, ok Donc pirate, euh, vous souriez, enfin vous êtes méchant, euh, et vous voulez truquer les, les, les transactions ici. Bah, si vous voulez truquer les transactions, déjà dans tous les cas, pour venir sécuriser un slot, vous devez mettre de l'argent ici dans un dépôt de garantie, dans un coffre-fort. Donc si vous faites des bêtises ici, on va l'appeler bêtises. Okay, si vous faites une transaction bizarre ou vous voulez truquer la blockchain, dans tous les cas, votre argent ici, il est perdu, finito. Okay vous ne le récupérerez jamais. Et ce qu'on vous demande en général, et ce qui se passe dans les blockchain proof of stake, c'est que l'argent que vous mettez en dépôt de garantie est supérieur à l'argent que vous allez potentiellement recevoir en récompense pour avoir forgé euh, un, un compartiment. En gros, pour faire très simple, on repasse sur le schéma. Ici, quand vous allez par exemple forger une période sur Cardano, donc un time slot, vous allez recevoir peut-être un jeton Cardano en récompense, et ici peut-être que vous avez dû mettre en, euh, en garantie, en dépôt de garantie, 4 jetons Cardano. Donc si vous faites... La bêtise de venir truquer la blockchain, vous perdez 4 pour avoir gagné 1. Et ils font exprès en fait de mettre un, un espèce de ratio risque rendement euh, défavorable euh, en faveur du, euh, de, de la blockchain et en défaveur de la personne qui va venir forger le, euh, le, le, le bloc, c'est pour que, en gros, bah, elle ne soit pas incentivée. Parce que imaginons que la récompense est de quatre euh, Cardano et que vous devez mettre qu'un seul Cardano de côté euh, dans votre coffre-fort. Bah, c'est facile. Je dis, je risque 1 pour gagner 4, Autant truquer la blockchain. Euh, J'ai plus à gagner qu'à perdre. Et là, en fait, le fait de mettre un, un enjeu, une preuve d'enjeu, un stake, proof of stake, on vient, euh, on vient, entre guillemets, si vous voulez, décourager les personnes qui ne veulent pas participer de façon honnête à la blockchain. Alors, maintenant, on a parlé du proof of stake, mais le delegated proof of stake, le DPOS, ici, ça marche comment Bon, alors, on va, on va repartir sur un autre schéma. Hop, très simple, je vais tout effacer et on va recommencer. En gros, c'est simple. Le delegated proof of stake, c'est euh, bah, le fait de se dire, OK, on a compris que, gros, bah, en gros, faut mettre des jetons et que plus j'ai de jetons, plus j'ai de chances d'être sélectionné pour venir forger les blocs et du coup euh, obtenir des petites récompenses. D'accord Donc là, il y a le temps et puis euh, chaque temps euh, et, des, et euh, chaque époque est divisée en slots et il y a, il y a ce qu'on appelle à chaque fois un slot leader. D'accord Donc un slot leader, c'est quoi C'est en gros le nom qu'on donne au type qui va venir vérifier les transactions à euh, une période donnée. Ok Ce gars-là, il est élu. En gros, par le nombre de jetons, pour faire simple, qu'il détient. Et plus il a de jetons, plus il a de chances d'être sélectionné. OK Plus il a de chances d'être sélectionné. Donc il faut avoir un maximum de jetons. Vous vous rendez bien compte qu'il bah, y a ici un petit truc qui, qui, qui est compliqué. C'est que bah, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup de jetons. Donc en fait, le Delegated Proof of Stake, ça consiste à mutualiser. C'est comme si on mettait nos jetons tous ensemble dans un gros panier. On se dit, OK, les gars. Là, ici, il y a trois équipes. Par exemple, pour, pour être le slot, le slot leader de, euh, de ce truc-là, okay on va dire que là, c'est 9h1, okay pour venir forger ça, et, et en récompense, il y a par exemple deux cardanos de récompense, okay deux ADA. Okay. Pour venir avoir le droit de, 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 de vérifier ce bloc et de prendre la récompense pour nous, il y a plusieurs concurrents. Concurrent 1, concurrent 2, concurrent 3. Okay. Lui, il a 5, euh, 5 ADA. Lui, il en a 10. Et lui, il en a 2. Okay. En fait, le Delegated Proof of Stake consiste à se dire, ok, euh, ou non, on va même faire un truc un, un peu plus sympa. On va dire que lui, euh, Lui il en a, on va dire, allez, 6. Okay. Très simple. Le Delegated Proof of Stake, c'est se dire, ok, les gars, nous, on va absolument euh, forger ce bloc-là. Venez, on fait une union. Ok On lui donne nos 5 euh, Cardano. Comme ça, ça fait 6 plus 5 égale 11 Ada. On est plus grand. Et on délègue en fait notre proof of stake. C'est ce qu'on appelle le Delegated Proof of Stake. Et c'est lui qui va venir forger ici parce qu'il est plus gros que, euh, que, que celui-là. Ok Celui qui a 10. Ok Le Delegated Proof of Stake consiste à se dire Ok, je vais donner mes cryptos. Enfin, vous n'allez pas les donner, vous allez les prêter en soi. Hein. Vous allez, on va dire, prêter plutôt, c'est plus approprié, prêter vos cryptos, vos cryptos. Ok Pour augmenter vos chances d'être sélectionné à l'opération de, bah, du coup, ici, de forger un bloc pour récupérer une récompense. Et en fonction du nombre de jetons que vous aurez mis, vous recevrez au prorata en général. Hein. Enfin, il y a différents modes de rémunération, mais en général, c'est au prorata de ce que vous avez mis. Vous récupérez une partie de la récompense qui a été obtenue. Ok c'est comme une association, d'accord Et c'est comme ça que ça marche. Donc là, il y a des gens ici qui vont s'associer, ok Pour créer des gros, entre guillemets, poules, ok Des, des grosses poules de stacking qui vont ensuite venir ici, récupérer, enfin, sécuriser la blockchain, recevoir des récompenses qu'elles vont ensuite redistribuer au prorata pourcentage de ADA par rapport à ce que chacun a mis, ok Delegated proof of stake, voilà. C'est un peu une espèce de forme de « je délègue », mon, euh, mon pouvoir à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va venir me récompenser pour ça. D'accord Alors, on va passer à la partie intéressante. Mais du coup, quel est l'intérêt de Cardano par rapport à euh, bah, une blockchain comme par exemple Ethereum Alors, c'est là où ça devient intéressant, et c'est pour ça que je vous disais que Cardano n'est pas une cryptonée pour tout le monde, dans le sens où il faut avoir un scénario qui soit bien, euh, bien établi là-dessus. Cardano, en fait, a une vision qui est simple c'est une vision qui est avant tout, comme vous l'avez compris, qui est commerciale. Quand euh, Ethereum est un peu plus non-profit, d'accord. Donc ça, c'est dû déjà à, à, la, à la différence fondamentale de vision entre les deux, euh, deux, euh, deux cofondateurs. Vous l'avez vu, c'est pour ça qu'ils sont engueulés déjà à l'époque. Vitalik Buterin et, et Charles, euh, c'est qu'ils ont des visions qui sont différentes. Hoskinson, donc ici, hein, qui, qui est sur le projet Cardano, lui veut vraiment a une vision, enfin une vision vraiment business. Il, il aimerait que il y ait de beaucoup de business, enfin que tout se passe sur Cardano, d'accord Butrine, lui, il a une vision un peu plus philosophique du, tri, euh, du truc, en mode je change le monde, d'accord Donc c il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais Hoskinson, il est à la course à la performance. Il se dit, c'est simple, moi, en gros, sur Cardano, les transactions vont coûter infiniment, plus, euh, infiniment moins cher que sur Ethereum, d'accord il annonce des chiffres qui sont relativement gros. Il dit que ça sera 100 à 1000 fois moins cher au niveau des frais de transaction sur Cardano que sur Ethereum. Et que ça sera euh, bah, 50 à 100 fois plus rapide que, que sur Ethereum. Et on le sait, sur Ethereum, on a des problèmes en ce moment de scalabilité. Sur Ethereum, ça coûte de plus en plus cher de faire des transactions. Alors, on est en train, sur Ethereum, de changer... De protocoles de vérification. On est passé du proof of work et on est en train de passer petit à petit au proof of stake. Il y a eu des premiers essais qui ont été faits au début du mois de mai, ça s'est bien passé. Ça va prendre encore une bonne année avant que ça soit totalement le cas sur Ethereum. C'est d'ailleurs pour ça qu'Ethereum a, a, a flambé. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce problème d'un euh, écosystème qui est très très riche et très dense sur Ethereum. Et la question, c'est est, voilà, est-ce qu'on va pouvoir un jour avoir un système plus performant sur Ethereum ou pas. Cardano, c'est la concurrente directe d'Ethereum. Cardano, c'est en gros la promesse d'une crypto-monnaie qui soit plus rapide. D'accord? Donc là qu'Ethereum. Hein. Donc on a une cryptomonnaie qui est plus rapide. Euh, une crypto-monnaie plus rapide. Moins, moins gourmande d'énergie. Euh, on va mettre plus euh, écologique. Ça, c'est les promesses. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Hein. Euh, plus rapide plus écologique et moins cher, moins cher au niveau des frais de transaction, d'accord. Donc Cardano, en fait, si vous voulez, c'est la crypto-monnaie. C'est en gros, si vous pensez qu'Ethereum un jour sera dépassé, c'est Cardano, en tout cas, qui logiquement devrait prendre la place d'Ethereum, d'accord. Et quand on va repasser, donc je vais vous remonter, euh, je vais vous remontrer, excusez-moi, euh, Coin Market Cap, on va, on va, regarder un petit peu, euh, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Hop, Coin Market Cap, je vais passer rapidement sur, hop, le euh, graphique ici. Bah quand vous regardez un petit peu la capitalisation de, de, de Cardano, on n'est plus très loin. Enfin, D'ailleurs, je vous disais qu'on était quatrième, on est cinquième, il hein, doge j'ai encore un petit peu devant. Euh, mais Cardano prend, euh, prend 6%. Euh, Cardano, 60 milliards quasiment de, ma de capitalisation de marché. Ethereum, 440. Euh, on n'en est plus très loin, en fait. Et, et si vous voulez, c'est Cardano, c'est... Si demain, vous pensez que Ethereum n'est pas aura toujours ses problèmes de scalabilité, et ne pourra jamais s'adapter parce que euh, trop lente ou euh, trop, trop d'applications de, déjà dessus pour faire des mises à jour importantes. Euh, vous avez Cardano qui sera l'alternative. Et au contraire, par contre, si vous pensez qu'Ethereum restera la crypto-monnaie de référence pour les smart contracts et que personne euh, ne pourra prendre la place d'Ethereum, bah, Cardano ne vous intéressera pas. Vous voyez Donc, c'est pour ça que je vous disais que Cardano est une crypto-monnaie vraiment pour une catégorie d'investisseurs précis. Ceux qui pensent qu'il y a une alternative à Ethereum plus efficiente qui peut être mise en place ou alors qu'une. Euh Qu'un qu changement en fait d'Ethereum, que des mises à jour d'Ethereum rapides ne peuvent pas être mises en place parce que l'écosystème Ethereum est déjà très très lourd. Et donc du coup c'est dur de bouger un paquebot, dans le sens où il y a beaucoup d'applications décentralisées qui sont construites sur Ethereum et que si on faisait des mises à jour, ça pourrait potentiellement faire bugger, voire empêcher les transactions sur cette blockchain-là. Et donc du coup, bah, ça freinerait l'innovation d'Ethereum au profit de, 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 de crypto-monnaies comme Cardano. Voilà pourquoi je vous disais que ce n'est pas une crypto-monnaie qui est faite pour... Le monde, alors les amis, on arrive à la fin du coup de cette présentation de Cardano. Je vais prendre vos questions maintenant et puis je vais voir un petit peu euh, ce qu'il en est. Alors euh, on va passer tac ici. Alors euh, on a en premier, je vais prendre l'ordre chronologique Cyril Imo qui nous dit salut Sylvain, Mike qui est avec nous, Bildo également qui est avec nous, Bruno Manfray, salut Sylvain, bonjour tout le monde, salut Bruno, bonjour. Alors le Delegated Proof of Stake c'est les poules de minage. Alors, le minage, alors ce qui est important de noter, c'est on parle de minage dans les blockchains Proof of Work, d'accord Donc le minage, encore une fois, c'est euh, l'action de travailler et de fournir des efforts pour recevoir une récompense. Donc on parle de pool de minage quand tu vas justement être sur des blockchains en Proof of Work, style Bitcoin, style même Dogecoin. Dogecoin est un dérivé de Bitcoin, enfin ça, ça, ça fonctionne en Proof of Work. Pour le Proof of Stake, on parle plus de, bah, de, de pool de stacking en fait, hein, d'accord Donc c'est des pools, on va dire, de liquidité, ça va ressembler à ça. On va passer sur l'iPad, ok. Donc le minage c'est quoi En gros, euh, donc proof of work, ok. Minage c'est ça. T'as un rond et t'as plein de gens qui mettent du matériel informatique en commun, ok. Le but c'est quoi C'est de mutualiser, de mettre en commun leur force de calcul, ok. Donc il faut acheter des ordinateurs, du hardware, ok. Proof of stake, on parle plutôt de stacking et de pool de stacking. Donc on met pas des, du matériel en jeu, on met de l'argent en commun. C'est comme si on avait un fonds d'investissement et on mettait tous de l'argent dedans. Et on met en commun, bah pareil cette fois-ci, nos chances d'être sélectionnés okay, pour être des, euh, par exemple, slots leaders dans le cas de Cardano. Mais après, chaque blockchain a son propre truc. Okay Donc c'est vraiment ça. Euh, on parle en ce moment des crypto polluants. Du coup, Cardano a un large potentiel, non Oui, c'est ça. Bah, en fait, Cardano, pourquoi est-ce que Cardano a, a, a explosé il y a quelques jours quand... Enfin, c'était avant-hier d'ailleurs quand... Quand Elon Musk a annoncé que Bitcoin ne serait plus accepté par Tesla car c'était une crypto-monnaie polluante, Cardano. Alors, toutes les crypto-monnaies, c'est vrai qu'elles ont eu tendance à baisser. Il y a un effet Elon Musk, il y a un effet dollar US aussi, à mon sens. Mais Cardano a monté. Pourquoi Effectivement, Cardano, se, en fait, si vous voulez, vend son, sa scalabilité depuis le début, en fait. Le, le fait que Cardano soit scalable dans le sens où, en fait, on n'a pas besoin d'acheter d'ordinateur, on a juste besoin de mettre de l'argent en commun. Et même cet argent-là, on n'a même pas besoin de dépenser de l'argent dans des infrastructures complexes pour créer des nœuds acceptés par Cardano. On peut déléguer cette action-là à des gens qui le font pour nous et recevoir une récompense, une partie de la récompense, à hauteur bien évidemment très probablement de ce qu'on a mis en jeu, ça dépend, chaque pool a ses propres façons de rémunérer en fait les gens qui vont mettre de l'argent dedans ou qui vont euh, mettre des, des tokens ou des crypto-monnaies dans, dans, dans ces pools là euh, Mais, mais c'est un petit peu ça, et la scalabilité de Cardano aujourd'hui se présente comme une alternative à non seulement Bitcoin mais aussi Ethereum. Mais c'est plus à Ethereum qu'à Bitcoin parce que... Vous le savez, Bitcoin est une crypto-monnaie qui a été faite pour stocker de la valeur, un peu comme de l'or. Ethereum est une crypto-monnaie qui sert à hoster, donc à supporter des smart contracts, des contrats intelligents, des applications décentralisés comme des exchanges. Euh, une bonne partie d'ailleurs de la finance décentralisée de la défi, fonctionne grâce à, 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 à la blockchain Ethereum. Euh, les NFT que vous connaissez, vous savez, ces jetons non fongibles, ces espèces d'œuvres d'art numérique, ça fonctionne grâce au token ERC120, ERC20, euh, donc d'Ethereum. Donc il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui fonctionnent grâce à Ethereum. Malheureusement, on a eu des problèmes de scalabilité, comme tu, dis, euh, comme tu le dis Cyril. Typiquement, sur le marché des NFT, on a eu, on a eu ce problème-là. Il y a quelques temps, euh, en gros, sur le marché des NFT, on voulait par exemple. Donc, un NFT, pour vous rappeler, c'est une espèce d'œuvre d'art numérique. Enfin, c'est pas forcément une œuvre d'art numérique, c'est quelque chose qui n'existe que, que de façon unique. Ok Il y avait des NFT qui coûtaient par exemple 10 dollars en Ether. Et les frais de transaction, à certains moments, étaient de 20 dollars en Ether. Okay? Et du coup, bah, ça freinait entre guillemets. Les transactions parce que les gens attendaient que les frais de transaction soient moins élevés pour acheter, le, pour acheter leurs produits. Et en fait, c'est ça le problème de scalabilité. Quand aujourd'hui on a un écosystème, on a besoin que les transactions soient favorisées, que les transactions ne soient pas euh, freinées déjà d'une par la volatilité ou une volatilité trop importante et de deux aussi bah, par les frais de transaction qui sont le nerf un petit peu de la guerre sur, euh, sur un petit peu tout. D'accord Donc, Cardano effectivement serait aujourd'hui une réponse à ça. Et si vous pensez qu'Ethereum arrive à sa fin, Cardano sera votre alternative. Si vous ne pensez pas qu'Ethereum qu arrive, euh, euh, qu arrive à sa fin, et qu'Ethereum aura la flexibilité, en fait, l'agilité, la, euh, la souplesse pour rebondir, Cardano sera pas forcément un projet intéressant, ou alors vous pourrez utiliser Cardano comme instrument de diversification. Mais voilà, je pense que je vous exposais les principaux pour et contre. Après, vous pouvez prendre votre décision. Encore une fois, dans ces vidéos, je ne vous donne pas de conseils d'investissement, je vous présente les faits, et comme ça, vous pouvez prendre vos, euh, vos, vos décisions comme des grands garçons, comme des grandes fifi. Alors, bonjour, Cardano peut-il continuer son ascension seul Merci. Cardano, encore une fois, c'est un projet qui continuera à monter tant qu'on euh, qu y croira et tant qu'on pensera que euh, Ethereum ne peut pas vaincre ses problèmes de scalabilité. Ils sont en train de mettre en place tout un tas de mises à jour sur Ethereum. Euh, derrière, Cardano est de plus en plus utilisé par des projets euh, blockchain. Le seul problème de Cardano, c'est ça. C'est que contrairement en fait à Ethereum, qui est relativement bien décentralisé, et euh, plutôt libre, Cardano a un système un peu plus, euh, un peu plus centralisé sur, sur, sur pas mal de choses. Si vous voulez apporter un changement sur Cardano, il faut que ce changement soit approuvé par les pairs. Les pairs, c'est quoi On va dire, euh, c est, c est, en gros, c'est un groupe de chercheurs, etc. Et ensuite, le changement est actif, d'accord alors que sur Ethereum, pour faire très très simple, c'est en gros bah, 51%. Quoi. En gros, s'il n'y a plus de la majorité qui est OK, go. Okay Donc on a un système un peu plus démocratique ici. Et ici, on a un système un peu plus, je ne sais pas, un peu plus, euh, je dirais, centralisé. Voilà. D'accord Donc voilà, il y, y, y a vraiment des différences là-dessus. Euh, merci pour la réponse, Ada est l'élu. <laughs> bon, bah écoutez, si vous avez pris votre décision sur Cardano, en tout cas c'est bon. Euh, les amis, en tout cas ça m'a fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour, ce, euh, pour cette analyse du dossier Cardano qui est, une, qui est un très beau projet. Vous avez les cartes en main maintenant pour prendre votre décision. Euh, quant à moi, je vous retrouve tout de suite, donc juste à la fin de cette émission pour... Une deuxième émission, on va enchaîner euh, sur une deuxième émission. Cette fois-ci, elle sera plus axée trading, stratégie trading. Là, aujourd'hui, vous le savez, euh, je vous propose de nouveaux formats, des formats courts spécialement axés sur une crypto-monnaie où on l'analyse et où je vous présente un petit peu les pour et les contre et des formats un peu plus euh, axés stratégie. On va parler de stratégie trading, ok Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous. Euh, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo sur YouTube, ça sera sur YouTube dans d'ici je reprends d'ici 15 minutes à 9h00. Et je vous souhaite une excellente journée. Si cette vidéo elle vous a plu d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que euh, vous êtes à peu près 40-45% de, 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 de notre audience qui nous regardait à ne pas être encore abonné. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche aussi euh, pour activer toutes les notifications, comme ça quand on démarre une nouvelle vidéo vous recevez une notif sur votre téléphone. Et si elle vous a plu cette vidéo, bah, lâchez un petit pouce bleu euh, et un commentaire, ça nous aide pour une raison qui est très simple pour le référencement de notre chaîne YouTube. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus la chaîne elle monte et plus elle est, euh, elle est connue, plus il y a potentiellement de gens qui nous regardent. Et plus cette chaîne est regardée, plus on aura de moyens aussi pour mettre en place de nouvelles initiatives, de nouveaux concepts d'émissions avec euh, lesquels on pourra inviter peut-être des invités, enfin euh, mettre en place des trucs un peu plus cool. Ok Je vous souhaite une excellente journée à tous les amis, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve à 9h00 pour une émission Accès de Trading. Ciao ciao My...